Ah, enfin le calme de la bibliothèque, parce que ça fait du bien. Moment de détente autour d'un bon livre en compagnie de Mimi. Ça fait du bien. Surtout après que Yabi a réussi à nous refourguer sa goule et prendre la fuite avec Chaussette. D'ailleurs, elle commence à sentir cette goule. Eh oui, Carmen. Pendant les vacances de Yabi, c'est Isilion qui t'héberge. Quoi? Tu parles de goule, mais depuis quand? Non, c'est juste un constat. C'est encore loin le bureau de Mimi? Logiquement, moins que d'aller à la Cour des comptes. Tour des comptes, Cour des comptes, blague d'étudiant à l'ENA. Et de devoir faire demi-tour suite au mouvement des nains de Blanche-Neige. Pff, c'est lourd. Entre le nain imbécile et le nain instituteur, j'ai même pas pu souhaiter de belles vacances à Agnieszka. C'est pas un simple prof, les nains? Hé, nous y voilà! Oh oh, Mimi! Wouhou! Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer, là? C'est le panneau? Ici, on lit en silence. Bah, on s'en fout. On ne lit pas. Mimi, coucou! Ah, elle nous regarde bizarre. Gloups, elle fait quoi avec sa tête? Mimi! Ne bougez plus! Son acuité visuelle est basée sur le mouvement. Non, je déconne, ça c'est dans Jurassic Park. Hein, Mimi? J'entends pas! Elle fait quoi, ma mère, en enfer? Merde, fous ton camp! On est sur sa terre à chasse, courez! Ça doit être le Morito, à mon avis. Elle supporte pas la menthe. Aïe! Ah! Je me mords l'oreille! Chacun son tour, et toc! Description. La menthe est un genre de plante vivace de la famille des Liémiacées, qui comprend, selon les classifications, entre 25 et 69 espèces qui s'hybrident aisément, ce qui complique parfois leur identification botanique, chacune avec ses propres caractéristiques et son goût unique. Parmi les plus populaires, on trouve la menthe verte, la menthe poivrée, la menthe citronnée, la menthe glaciale et la menthe chocolat. On la trouve dans les régions tempérées et subtropicales du monde entier, en particulier dans les zones humides et marécageuses. En France, on rencontre couramment la menthe verte, la menthe poivrée et la menthe à feuilles rondes. Ces espèces poussent spontanément dans les jardins, les bois, les friches et le long des cours d'eau. La menthe est une plante assez rustique et s'adapte à différents types de sols, mais elle préfère les sols frais et humides, bien drainés. Elle apprécie également le soleil ou la mi-ombre. Il suffit de la planter dans un sol riche et humide et de l'arroser régulièrement. La menthe est une plante invasive qui a tendance à se propager rapidement. Propriétés médicinales. La menthe, et plus particulièrement la menthe poivrée, est connue depuis des siècles pour ses nombreuses vertus médicinales. Elle est riche en menthol, une substance aux propriétés anti-inflammatoires, analgésiques, antispasmoniques et antibactériennes. Voilà quelques-uns des bienfaits de la menthe pour la santé. Digestion. La menthe stimule la production des bile, ce qui facilite la digestion des graisses. Elle est également efficace contre les maux d'estomac, les nausées, les vomissements et les ballonnements. Rhume et maux de gorge. Les propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes de la menthe aident à soulager les symptômes du rhume et des maux de gorge. Elle peut être utilisée en infusion, en inhalation ou en application locale. Maux de tête, l'application d'huile essentielle de menthe sur le front ou les tempes peut soulager les maux de tête. Douleurs musculaires et articulaires, les propriétés anti-inflammatoires de la menthe peuvent aider à soulager les douleurs musculaires et articulaires. L'huile essentielle de la menthe peut être diluée dans une huile végétale et massée sur la zone douloureuse. Haleine fraîche, la menthe est un excellent rafraîchisseur d'haleine. Elle peut être utilisée sous forme de tisane, de chewing-gum ou de dentifrice. En plus de ses propriétés médicinales, la menthe est également utilisée pour améliorer la concentration et la mémoire, lutter contre le stress et l'anxiété, stimuler le système immunitaire, tonifier la peau et les cheveux. Propriétés magiques de la menthe. Son genre est masculin, sa planète est Mercure, son élément est l'air. Le signe astrologique qui lui est associé est la Vierge. La menthe est réputée pour son arôme revigorant et ses propriétés stimulantes. Son parfum frais, rafraîchissant, est utilisé pour susciter et revigorer l'esprit, éveiller les sens. Dans les pratiques magiques, la menthe est souvent utilisée pour bannir la fatigue, dissiper les énergies négatives, insuffler la vitalité et renouveler les énergies.
Le simple fait de sentir l'huile essentielle de menthe poivrée ou de savourer une tasse de thé à la menthe peut aider à rajeunir l'esprit et à améliorer la clarté mentale. Le parfum vif et mentholé de la menthe est depuis longtemps associé à l'amélioration de la clarté mentale et de la concentration. On pense qu'il aiguise l'esprit, améliore la concentration et stimule les capacités cognitives. C'est pourquoi il est associé à l'élément air. De nombreux praticiens de la magie utilisent la menthe dans leurs rituels ou leurs sorts pour améliorer l'acuité mentale et faciliter les processus de décision. Brûler de l'encens à la menthe ou utiliser les huiles infusées à la menthe crée une atmosphère propice à la clarté mentale et à une vision approfondie. La menthe est utilisée depuis longtemps pour ses énergies protectrices et purifiantes. On pense qu'elle repousse les énergies négatives, éloigne les mauvais esprits et crée un bouclier de protection. Dans les rituels magiques, les feuilles de menthe ou de l'huile essentielle peuvent être incorporées pour nettoyer et purifier les espaces physiques comme énergétiques. De par ses propriétés de guérison, de médiation et d'attraction positive, la menthe est utilisée pour protéger les relations auxquelles nous tenons. Rituel. Les bains rituels composés de menthe sont une pratique ancestrale qui se trouve dans diverses cultures. Utilisés à des fins purificatrices, médicinales et spirituelles, ces bains combinent les propriétés rafraîchissantes et revitalisantes de la menthe avec des rituels sacrés pour offrir une expérience holistique de bien-être. La menthe, reconnue pour ses vertus antiseptiques, apaisantes et stimulantes, joue un rôle central dans ces rituels. Elle est souvent infusée dans de l'eau chaude pour libérer ses huiles essentielles, créant ainsi une atmosphère de détente et de renouveau. Les bains rituels à la menthe sont non seulement un moyen de purifier le corps et l'esprit, mais sont également un moment privilégié pour se reconnecter avec soi-même et avec la nature. Nous vous proposons aujourd'hui un bain énergisant de saison qui vous apportera des vibrations positives et renouvellera votre énergie. Simple et efficace, voici la préparation du bain à la menthe et au romarin. Ingrédients nécessaires. Une belle branche de romarin. Un bouquet de menthe, une poignée de gros sel. La préparation est simple. Il vous suffira de suivre le bon ordre pour ne pas vous retrouver les pieds dans les cristaux de sel. Commencez par remplir votre baignoire. Pendant que l'eau coule, mettez-y une poignée de sel. Le remous de l'eau et la chaleur fera fondre les cristaux. Ajoutez la branche de thym que vous aurez au préalablement nettoyée. C'est seulement à la fin que vous rajouterez le bouquet de menthe, car on ne veut pas que la plante cuise dans l'eau. Donc vous le rajoutez à la fin, pendant que la baignoire se remplit. Petite astuce d'Abyss, qui vaut aussi en cuisine. Frappez la menthe contre vos mains, comme ça, pour en libérer les arômes. Vous êtes maintenant prêt à vous immerger dans l'eau. Profitez maintenant de ce moment de détente revigorant. La rejan de la manta que c'est Kadam qui va vous la raconter. Pourquoi cet accent? C'est certainement l'effet du mojito. Enfin bref, selon la mythologie grecque, la menthe est née du sacrifice d'une nymphe nommée Minta, fille du fleuve infernal Cocytus et habitante du royaume souterrain d'Hadès dont elle était la menthe. Lorsqu'Hadès tomba amoureux de Perséphone, fille de Déméter et de Zeus, et l'emmena en enfer pour en faire sa femme légitime, Minta, furieuse et jalouse, menaça Perséphone en jurant de reconquérir Hadès et de la chasser du palais. Saisie de colère et d'indignation, Perséphone démembra la nymphe et la transforma en une plante humble et insignifiante, presque invisible. Hadès, pris de compassion, permit à Minta de devenir une plante parfumée, appelée Mint, ou Hédiosmos, à la bonne odeur. Ainsi, son arôme incomparable pourrait se répandre le long des berges du fleuve paternel pour apaiser le chagrin de son père. Cependant, Déméter, pour venger sa fille, condamna la menthe à la stérilité, l'empêchant de produire des fruits. De cette origine dramatique et romantique, la menthe est devenue en Grèce le symbole de l'amour, son parfum évoquant à la fois la passion et la tristesse d'un amour perdu. Petites anecdotes croustillantes pour vous la péter autour d'un rire. La menthe, vénérée par les druides, était sacrée depuis l'Antiquité. Découverte dans des tombes égyptiennes datant de 1200 à 600 avant Jésus-Christ, c'est marqué JC, mais c'est pas Jean-Christophe, hein. Elle accompagnait les morts et parfumait les rituels grecs. Les Grecs en parsemaient les temples,
les Hébreux les synagogues et les chrétiens les églises. Tandis que les Romains s'en servaient pour aromatiser leur vin et leur sauce. Ils sont vraiment fous, ces Romains. Pline recommandait une couronne de menthe pour la concentration, tandis que Dioscoride et les herboristes médiévaux la prescrivaient pour divers maux. Les Grecs et les Chinois l'utilisaient contre les douleurs articulaires. Les scientifiques modernes confirment ses propriétés analgésiques. Aujourd'hui, les druides la mettent dans les bains, la gardent pour aiguiser les sens et en font une tisane pour l'indigestion. Alors là, mon sac à d'armes, je siffle la fin du match, la fin de la partie, tout est fini, tout est en vrac. Professeur, vous, Xavier, vous ? Oui, mon sac à d'armes, une erreur monumentale. Est-ce que vous auriez voulu par hasard vous servir de l'hallucination auditive afin de tromper les auditeurs ? Ça ne passe pas avec moi. On ne dit pas une tisane pour l'indigestion, mais une tisane contre l'indigestion. Vilain gredin. Professeur Xavier, courez vite. Ça va faire mal. J'en peux plus. Quelqu'un a vu Carmen ? Je récupère mes valises et je file, hein. Ça va, j'arrive. Oh là là, vous me mettez la pression, c'est pas possible. Bon, je reprends. Alors. Le ballet a été révisé. Les poils sont ok, le manche ok, les sacs en fond ok. Les grimoires. Ça, c'est bon. Les plumes et tout le matériel, c'est bon. Alors, quelques provisions. Un petit sandwich avec du houmous, ça c'est bien. Les potions. Ah! C'est moi ou Zacharie a bouffé dedans? Ouais. Allez, j'emmène quand même. Parce que bon, on connaît Kadarn, hein. Quand il s'agit de taper une insolation, il est toujours là. Ouais, je vous parle pas de Sylvain. En général, il creuse des trous quand on va à la plage. Il creuse des trous en mode Bernard l'ermite. Ça, c'est moi encore. Oh, la pomme a l'air vieille. Bon, je la prends quand même. Bon, bah, je crois qu'on est pas mal là, les garçons, non? Les disciples plantasiens? Vous êtes déjà partis, les copains? Allô? Pas sympa, hein? Bon, bah, je vous laisse là, hein, faut que je les rattrape. Passez un très bel été, et on se revoit au mois de septembre, et puis moi, je vais aller leur tirer les oreilles, là, aux deux. Bisous! Eh bien, je t'emboîte le pas. Direction mon sous-sol de la bibliothèque. Je suis bien content d'avoir récupéré les 5 volumes des Illions pour mon étude. Quelques visites d'Antasia à la lumière de la lune au calme, séance de méditation dans les catacombes, et pour finir, terminer mes travaux d'écriture. Allez, bonnes vacances les enchanteurs, sans oublier la chouette équipe. Ouais, belles vacances les amis. Bah moi ça va être en mode sac à dos et sac à puce. Je prends la route avec Flash, elle va me faire découvrir le royaume. Oh là, faut pas que j'oublie Pouic Pouic, son Ouski Queen, sinon on va être fâché. Crotte, la Carmen. Du coup, toi, Carmen, tes vacances, ça se passe comment? Effectivement, c'est passionnant, Carmen. Alors, 3 chaînes sur la droite. À gauche, direction le dolmen de la pierre qui roule et Camas Pamous. Puis, tout droit, jusqu'à la maison bleue, adossée à la colline où l'on vient tapier. Et t'es arrivé chez les Illions. Et arrange-moi ce visage, Carmen. Retends ta peau. Recolle ton nez. Recoiffe-toi ce cheveu. C'est bon, Mimi. Tu peux sortir. On les a bien eus. Une vraie bande de nouilles, ceux-là. Une goule qui fait gna gna gna. Et du coup, Mimi, tu penses que des animaux de crapouillac se feront plaisir à Isian? Bon, voilà une belle première année antasienne, hein. Alors, belles vacances, les enchantasiens, et mordez la vie à pleines dents. Ah, la vie, Mimi, la vie, par mon oreille. Il est important de noter que ces informations sont données à titre informatif et ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé. Avant l'utilisation à des fins médicales, il est important de consulter un médecin ou un herboriste afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indications et pour connaître la posologie adéquate. Test micro 1-2-1-2.
je m'invite dans la chronique des disciples plantaviens pour vous dire que, sur le PDF, en plus de ce que vous avez entendu, vous aurez la recette du mimirito, ainsi que la chorégraphie et les paroles karaoké de la Macarena. Alors, hé, Macarena! Et belles vacances à tout le monde! Voilà, c'est tout!